Guten Tag, meine Freunde. Willkommen, Operation Valkyrie. Putain, je sais pas ce qui m'arrive. Franchement, je perds les pédales. Enfin bon, faut démystifier un petit peu et mettre un peu d'humour. Il y a que dans la peinture, en fin de compte, où il faut être sérieux. Le reste, c'est une question d'ego. En attendant, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, c'était super. Et on va faire le résumé de vendredi dernier, puis je vais dire bonjour à mes amis d'outre-Atlantique. So everybody, I hope you're all doing great. I hope you had a wonderful weekend. I know that I did. And started off with a little bit of humor there. I guess, I don't know. Anyways, I need that to just to feel better about the whole thing and not be too stressed out. So, what did we do last Friday? In fact, we did quite a bit. We started off with shading the yellows and the middle. On a fait des feuilles à gauche, à droite. On a fait des petites plantes en haut, à droite, puis éventuellement en bas à gauche, right? Added plants up on the top, added more plants on the bottom. After that, we added some leaves. Hein? On a rajouté des feuilles, bien sûr, des petites feuilles en bas à droite, puis après des petites feuilles en haut à gauche. On a fait une tentative d'un troisième vert qui n'a pas fonctionné, donc on a eu obligé de mettre du blanc, et on a terminé plus ou moins notre journée comme ça. So that's basically what we did and what we have right now. So what are we going to do today? We are hopefully going to get quite a bit done. Je pense qu'il va falloir faire une deuxième couche de vert ici. Le vert foncé, il n'y a pas de problème, on pourra mettre les détails. Bien sûr, après on va faire ce vert-là, et après on va voir. Ou bien on va commencer le mandala, ou on va faire le cadre. Je ne sais pas, on verra. Commençons déjà avec les feuilles. Donc, so, I am going to get some green ready to put the second coat on these leaves. And while that is drying, we can tackle these leaves right here. So, up. And there we go, a little bit of green. Okay. There we go. Up. Voilà. Okay, maintenant. Je suppose que c'est pas très important. Je vais ranger ceci d'abord. And then, get some water, get the paint ready. Non, c'est pas très fut-fut, hein. C'est du vert clair avec de l'eau. Donc, on va touiller pour trouver la bonne consistance que l'on aime bien. De toute façon, c'est la deuxième couche, donc ça peut être... Tant que ça dégouline pas, ça peut être assez liquide. Hop, 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 peut-être encore un tout petit peu d'eau. It looks like we're getting close to what we want. Is that good? I guess so. Okay, let's start with this. And if something goes wrong, we'll rectify. Donc on va faire comme d'habitude, commencer en haut à gauche. Comme je suis droitier, ça m'évitera de foutre ma main dans la peinture. Du moins théoriquement.
J'ai les mains déjà pleines de verre, ça fait même pas 5 minutes qu'on est là, mais bon. Ok. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est que dans la peinture qu'il faut être sérieux. Je vois que ce pinceau est trop épais et il commence déjà à m'embrouiller, donc voilà, je change tout de suite. Get the right size paintbrush because there is one time you want to be serious, it's while you're painting. So, rest of the time it's just a question of ego. So, plus, I must say, I love humor. I love people who make me laugh. Voilà. Très bien. Poum, 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 poum. There we go. Oui, j'ai senti que j'ai mis mon doigt dans la peinture qui allait se retrouver sur la toile. Donc, I'm gonna wipe my hands here. I felt the paint that I know would end up on the canvas in the right wrong spot. Voilà. Et voilà, hop, 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 hop. Encore un petit peu de peinture, tiens. Avec cette chaleur, ça s'évapore super rapidement. Ok. Encore un petit peu d'eau, je pense, voilà. Ok, maintenant ici, ben ça commence bien, je peux ramener ma chaise. We will go down here now. Voilà, on va peut-être reculer la caméra et carrément changer de caméra. Voilà, on va aller avec celui-là. Et tiens, on va commencer même un peu musique classique. Voilà. Hop, encore un peu d'eau, disons, c'est pas possible ça. Ok. Très bien. Mais là, on peut tracer. Vraiment, c'est. Ce que je veux faire surtout, c'est de cacher les coups de pinceau que l'on voit. On est proche de la toile, bien sûr, à l'antenne, ou je ne sais pas comment on appelle ça, mais à la caméra, ça se voit pas trop, mais voilà.
suis un peu obligé de jouer toujours la même musique parce que c'est des musiques qui sont libres droit d'auteur. Donc, et c'est vrai que dans les années 90, quand je me suis mis à l'ordinateur, j'aurais pu me lancer à faire ma propre musique, ma première techno, mais j'étais embarqué plutôt dans la vidéo, quoi. Et on ne peut pas tout faire, quoi. Comme le dicton zen dit, l'éternité est le temps qu'il faut pour tout apprendre. Donc, mais souvent, je le regrette, quoi. Donc, j'avoue que pas assez de temps pour tout apprendre, malheureusement. Okay, so we got that done. Let's move over here. Just a few more leaves to do, and then we'll tackle the big plants there in white with a different green. With the green that we had last Friday, but eventually we had to give up because it wasn't covering enough. I would have had to put 40 coats on just to hide the yellow, so it was easier to quit and just put on white and wait till today. So that's what we did. Ok, just a few more seconds. Voilà, c'est presque terminé. Ok. Très bien, très bien. So, we got that done. Maintenant, on va préparer ce verre-là, qui était du vert clair et du vert jaune. Encore là, ce genre de plastique là. Enfin, ça nous donne des palettes toutes fraîches à chaque fois. Mais c'est très bien. Bon, je vais commencer avec le jaune et rajouter le vert plutôt que de faire le contraire. Voilà. Ah putain. Je m'excuse, mais je suis obligé de pousser une gueulante encore une fois, quoi. C'est pas possible. À chaque fois que j'arrive au fond d'un pot, je me mets à râler parce qu'ils font ces pots tellement étroits que pour choper la peinture au fond, c'est un vrai challenge. Alors celui-là, il n'y a pas de problème. Mais quand on attaque un pot comme Hack, c'est super chiant, quoi. Pourquoi ils ne font pas des pots comme celui-là? Hein? Franchement, là, on peut racler jusqu'à la dernière goutte. Là, on peut, mais il faut découper. Je sais pas, on s'en fout partout sur les bains. C'est vraiment super chiant, quoi. Je comprends pas qu'ils aient pas compris ça après tant d'années de fabrication. Ils ont pas de peintre dans l'usine ou je sais pas quoi, là où. Enfin, bref. Et je peux pas m'en empêcher, quoi. Que ça soit en anglais ou en français, à chaque fois je râle, quoi. Donc, qu'est-ce que je cherche? Je cherche justement le verre où il va que j'aille fouiller au fond du pot. Voilà. Je vais faire attention et de rester concentré quand même. There we go.
you know, pushing my usual bitching about getting the paint at the bottom of the paint can, which I always do when I get towards the end of a jar of paint. I lose it every time because it's so annoying that they can't make the right kind of paint can that's practical. So let's go and take a look at what we're doing here with the other camera. Donc, on va faire cette combinaison de verres que j'aime beaucoup, qui ressemble. Oh, attends, qu'est-ce qui se passe là? Ma caméra, elle déconne à fond. Voilà, c'est moi qui ai été trop loin là ou quoi? Voilà. Voilà. Donc, j'ai suffisamment de verre, c'est le jaune qu'il faut que je travaille. Je vois qu'il va me falloir pas mal d'eau. Comme c'était le fond du pot, le jaune, il est un peu desséché. Bon, j'en ai tout plein d'autres, enfin, on va pas gaspiller. Le prix que ça coûte, déjà, franchement, c'est presque un luxe. So this is what I was saying last Friday when I was making the same yellow, which didn't work, is that a lot of people don't like this yellow. And I don't know why. It's one of my favorites. Is it because it looks like peas and you have that subconscious thing about your parents forcing you to eat vegetables? I don't know. Je pense pas que j'en aurai assez là. I definitely won't have enough, so I'm going to go back and get a little more yellow. J'allais chercher un peu plus de jaune là-dedans parce que j'aurai jamais assez. Voilà. Ouais. Ouf. De toute façon, j'ai l'impression que je vais être obligé de mettre deux couches, donc tant qu'à faire, faire une bonne quantité de peinture. Voilà, on y est presque. Ok. Maintenant, je vais changer de brosse pour pas me faire avoir. Oh. I guess I'll do. Just add a little bit more water. There we go. And then we can tackle that. Putain, qu'est-ce qui se passe là? J'arrive pas de... Okay, I need to look in the sunlight.
j'ai qu'une fenêtre, donc c'est ma référence pour voir vraiment les couleurs. Et là, j'ai l'impression que j'ai foutu mon pinceau dans le vert et je vais rajouter un peu de jaune maintenant encore. Oh là là. Maintenant, après tout, je vais laisser tomber parce que je pense qu'il y aura une deuxième couche. Puis, ah merde, bon, allez. Ok, I'm going to add a little more yellow because I kind of put my brush in the green paint and it changed the color. It's very easy. That green overwhelms the yellow and can change the whole hue almost immediately. So, hop, j'ai changé aussi de caméra. Voilà. Come back over here. Comme ça, j'ai la lumière du soleil et vous, vous avez le grand bonheur de me voir touiller ma peinture. C'est pas ça qui va manquer. Là, j'en ai fait une bonne quantité. Super. Ce que je vais faire, par contre, je vais pousser ça un peu plus loin parce qu'il va me foutre la zone. Et ça aussi, débarrasser de ce vert sur les côtés. Voilà. Ok. So, let me just rinse off my brush. Make sure I get rid of all the green. Or the darker green, I should say, maybe. And here I have to record. So I'm moving my camera closer on an angle. I'm going to bring up the camera a little bit and zoom in. Whoops, maybe zoom in a little more. And I'm going to press record. And let's tackle this baby. I just added a little drop of water so it's a little more fluid. Yeah, this is going to need two coats as well, which is really no big deal. I would have liked it to just be one coat. I'm so lazy and all. It's funny, I don't remember it being this translucent before. I wonder why is that? Hein, je me souvenais pas que c'était aussi transparent ce vert. Il me semblait que d'habitude ça couvrait beaucoup mieux que là. Je comprends pas vraiment pourquoi. Et c'est comme ça, on ne sait jamais. Des fois, en séchant ces petites variations, ça peut être sympa. Ok, je vais arrêter d'enregistrer, reculer un peu la caméra, et je me demande même si je ne vais pas changer de pinceau. Ce que je vais faire. I'm going to change paintbrushes to see if this is, helps me or not.
Boom, boom, boom. Up. Ok, je comprends toujours pas pourquoi ce verre est tellement différent de ce que j'ai l'habitude. I have no idea why this green is so different than what I usually do. But the show must go on. Right. Yes, with this camera, I'm sorry, just a little bit over to make sure I'm not in front of it. Puis j'enregistre encore, hop, un petit peu. Oups, ça déborde. De toute façon, il y aura une bordure noire, mais bon, je sais pas. Faut toujours que je sois précis du premier coup, quand je sais très bien que ça va ne servir absolument à rien. Plus fort que moi. OK. Donc, oui, franchement, je suis un peu dérouté par ce verre que je pensais aller couvrir nettement mieux. Enfin bon, on verra à la fin de la deuxième couche. Le verre est OK. Alright. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire des détails sur les verres foncés. Parce que c'est déjà sec, ça n'a pas besoin d'une autre couche, donc je peux faire ça tout de suite.
Puis après, qu'est-ce qu'on va faire? Après, moi, je sais qu'il va y avoir d'autres feuilles. Donc, it's going to be more leaves. Mais je vais les faire à la fin parce que j'aimerais que ces feuilles dépassent sur le cadre, soient par-dessus le cadre. Donc, je vais attendre à la fin pour faire cela. Et je voyais des feuilles mauves, violettes. Maybe. On verra. On a le temps de décider. En attendant, je vais préparer le vert clair qui va aller là-dessus pour faire les détails. So, where are you, my green paint? There you are. So. Hop. For that, we are going to bring you out. Where's my faithful knife? Right here. Not really. Where are you? Bon. Bon, un petit peu de vert. Oui, il n'en faut pas beaucoup. Voilà. Un petit peu de vert. Un petit peu de blanc. Oui, exactement. Un petit peu de blanc. Voilà, un petit cachet. Ok. So. I don't need very much. It's just going to be highlights. Up. Je suis pas sûr quel pinceau utiliser. On va partir avec celui-là. Voilà. On va changer de caméra pour bien suivre tout le processus. Let's check this out. Let's see what we're going to do here. We're going to mix the white with this green. And again, we want that kind of a nice texture so that the paint will glide beautiful. I mean, it's all a question of movement when you're laying down the paint for me. So I like the paint to glide on the canvas. Voilà, il n'en faut pas beaucoup, hein, je pense. Je veux pas que ça soit trop clair non plus, ça me paraît bon. Ok. So let's try that. And I guess I'll try it on this this part right here, since we are here. Up. Zoom, zoom, zoom. Zoom, zoom sur le côté. Ah là là. Ok. And start recording. There
good. Voilà. Là aussi, je rajoute un petit truc, mais je sais qu'il va y avoir un contour qui va probablement le cacher. Mais bon. OK, very good. Got that done. Stop recording. On va se rapprocher de l'autre, là, comme ça. Ah bon, écoutez. Je vous donne le mal de mer, j'y peux rien, je m'excuse. On va zapper de caméra. Voilà. Comme ça. Il n'y a pas la fenêtre dans ma fenêtre. Non. Ok, allons-y alors. Très bien. OK. Very good. Ah non, je suis sur l'autre caméra. Alors tant mieux, comme ça je peux continuer ici. Sauf qu'il faut que je change de pinceau. Oula. Oula là 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 là, en plus mes pinceaux favoris. OK. Oui, celui-là, ça me paraît le bon candidat. Lui, je vais le ranger avant qu'il salisse. Voilà. OK. We'll tackle that plant on the upper section here. Let me just work my paint a little bit. Très bien. Je vois mon petit diablotin en haut à gauche. De recul. Okay, very good. Let's get on to the other camera now. Get the paint off my keyboard. Enlever la peinture de mon clavier là. Putain. Je devrais mettre un truc de plastique par-dessus. Bon. Alors, pour ça, j'ai besoin de la chaise, de décaler la caméra. De rapprocher, de zoomer. Oups. Voilà. Et d'enregistrer. D'avoir mis ce pot de peinture. De ce pot d'eau à côté de moi, là, encore un coup de génie de ma part. Franchement. Voilà, très bien, très bien.
Donc, où est-ce qu'on en est là? Donc, c'est pas sec, c'est pas sec, c'est pas sec, c'est pas sec. Donc, on va attaquer ce mandat-là. De toute façon, je pourrais pas tout faire d'un coup. Il est trop grand. Donc, à un moment ou à un autre, ma main va être dans la peinture. Donc, je vais être obligé d'arrêter, d'attendre que ça sèche. Ça me permettra de retourner sur les feuilles. Allons-y. Let's go for the mandala. Like that gives time for everything else to dry. And for that, I'm going to find out my good old friend, the compass. So, let's bring this baby out. Le taille-crayon qui devrait être là à gauche, et il est à sa place, très bien. Voilà. Ah oui, pour ça, on utilise le compas. Ça. Et c'est là. Where am I here? Okay, I'm all over the place. So, I'm going to get out of the frame first of all. And reviens un petit peu au centre. Et je vais rezoomer énormément au milieu pour montrer que là, ce petit point blanc que j'avais laissé, c'est là où ça me sert parce que maintenant je vois le tout premier trou de mon compas lorsque j'ai fait les deux cercles. Donc je vais commencer avec là un petit peu, hop. Voilà, on va commencer avec ça. Alors, mon pinceau favori, je l'ai cassé en le lavant la semaine dernière. Donc, j'ai été racheter un pinceau pour le remplacer. Et le pinceau que je me servais, je l'avais depuis au moins 20 ans, quoi. Donc, ça m'a brisé le cœur. J'espère que ceux-là vont être à la hauteur. So, let's get that beautiful gold out. Where is it? C'est peut-être au fond. Voilà, je pense que c'est là, oui, très bien. Donc, je reviens là, on est toujours dans le bleu ciel, hein. Excusez-moi. C'est vrai que quand je pars dans des réflexions, j'oublie un petit peu les caméras. Je vais faire pas mal d'or. Je vais préparer quand même une palette spéciale pour le mandala.
ce qui est fait. Voilà. D'ailleurs, j'en mets pas trop parce que ça s'évapore tellement avec cette chaleur. Et il me faut un pinceau un peu plus gros, rien que pour travailler la texture de l'or, puis après. D'accord. Il fait tellement chaud que c'est quasiment liquide en sortant du tube. Ok, I guess that's gonna be easy enough. Let's get into this. So, I hope this paintbrush is going to work because my favorite one broke last week, which broke my heart. So I bought a new one, but I don't know. Let's try it. Okay, looks like this is going to do the trick. Alors, je vais revenir à l'autre caméra et mettre de la musique parce que c'est un procédé qui va prendre un peu de temps tout ça. Franchement, je peux pas trop tchatcher en faisant ça parce que déjà la moitié du temps, je retiens mon souffle pour pas déborder. Right? I'm still awake.
Voilà. Vous êtes toujours réveillé? J'espère. Ouais, je comprends que ça peut être chiant, hein, regarder, franchement. Mais bon. Malheureusement, on ne peut pas aller plus vite que la lumière et j'y peux rien, quoi. Donc, mon fidèle compas. There we go. Maybe seem a little closer, peut-être. Je suis obligé de recharger le pinceau après chaque petit cercle hein, pour avoir la luminosité que je veux avec cet or. Voilà. Ok.
recule un peu la caméra, sans ça, vous allez croire que je suis parti me reposer. Je crois que je boirais bien un coup d'eau là. Ok. I'm going to have a little bit of water. And while I'm at it, whoops. Might as well wipe my face. Oh, c'est pas possible. There we go. D'accord, boum. Non. On va revenir. Voilà. On a un peu de recul là, voir où j'en suis quand même. Un petit peu. Prendre quelques secondes pour réfléchir. Ok, très bien. Let's continue this baby. And I guess we'll move over to here. As I put some dots all the way around. Des points, toujours des petits points. Very good. Let's go back here and add just a little bit of gold here and there.
C'est pas mal. Je vais sortir du champ. There we go. J'ai rapproché et filmé un petit peu quand même. There we go. Attention, pas foutre ma main dedans. Ça m'arrive de temps en temps, pour ne pas dire trop souvent. Ok, arrêtez de filmer, reculer la caméra un petit peu quand même, voilà, et décider quoi d'autre. Une petite idée là. Très bien. Là, je vais être obligé de changer et aller dans du blanc. C'est pas du blanc déjà fait là? Non, apparemment pas. Ça, je vais ranger. Ça devient le foutoir. Hein? Ok. Sors mon petit couteau, te voilà. Ici, il ne faut vraiment pas beaucoup du tout. Hop, hop. J'ai même changé de brosse et je vais m'approcher ici, pas pour vous montrer la peinture, bon, si je peux faire ça aussi, mais surtout pour être devant le ventilo. Voilà, pas compliqué, trouver la bonne texture, cette ça c'est pour faire des petites planètes orange, mais pour que ça pète, je vais le faire en blanc d'abord.
cette texture bien onctueuse. Très bien. Zoom, zoom. On enregistre. Voilà. On peut toujours se rattraper avec la peinture orange plus tard. Voilà. Planète un tout petit peu plus petite. Très bien. Ça va qui décolle un petit peu là. Ok. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout faire ou si ma main va être dans la peinture. Donc, après je peux faire les cercles et après on verra. Je pense que je peux sans foutre ma main dans la peinture, donc on va tenter. Je vais sortir du cadre et on va zoomer un petit peu. Bon, est-ce que j'enregistre? Non, j'enregistrerai plus tard. Ah merde, je me suis trompé de peinture. J'ai pris la peinture blanche quand c'est de l'or que je veux. Voilà.
almost screwed up on the kind of paint I was going to use. So, I have to keep thinking of speaking in English. My reflexes are to go into French when I want the stream to be totally bilingual. So, and I'm not going to repeat everything in both languages, so I just have to remember to switch. There we go. So, how to do this without getting my hands in paint? Well, I guess carefully is the answer to that. Je sais pas si je suis devant la caméra ou pas. Mais je m'en excuse si c'est le cas. Mais comme vous, j'ai envie de tracer aussi. Donc, bon, ça va là, j'ai l'impression. Je commence à merder là. J'ai dû foutre ma main quelque part dedans. De toute façon, on peut toujours réparer les choses à la fin. Je préfère tout faire d'un coup, sans merder, mais... Des fois, hein, Inch'Allah. Hein. So, how does that look? Okay. Not too bad, not too bad. Zoom in just a little bit, maybe. Voila. Then I'm gonna just add a little. Ah.
foutre de l'or là. Ça va être de ma main, j'ai dû encore foutre ma main dedans. Ok, let's get the heavy artillery out. Voilà, putain. Ah, si je me lavais la main là aussi, peut-être. Voilà. Là, vous voyez la trace là qui brille. C'était, j'avais foutu un petit peu de peinture or là-dessus. De toute façon, ça va s'évaporer, tout ça. Je sais même pas pourquoi je perds mon temps. N'importe quoi. Ok, where are we? Ah oui, j'étais en train de faire mes petites... comme des petits anneaux autour de la planète, là. Voilà. Ok. Maintenant, je vais avoir du mal à aller de ce côté-là sans foutre ma main dedans. Donc, qu'est-ce que j'ai comme choix là ? Bah, peut-être retourner sur mes feuilles. Ok. So, that's what we're going to do. We're going to go back on our leaves. Otherwise, I'm going to put my hand in the paint and screw all this up. So, instead of screwing that up, let's go to these leaves and we're going to put on the little details of the green. So... ouais, moi j'aime bien commencer avec le foncé, puis après rajouter du clair plus tard. Donc, we're going to start with like some darker green, and then we're going to go with the lighter green afterwards. So, where's my knife? Right here. Ah, okay, all the way down to the bottom of this green. And, donc il m'en faut pas beaucoup en fin de compte, voilà. And I'm going to mix that with that darker green I had last week. There we go. So, darker green right there. Up. Donc, je vais prendre un peu de recul quand même. Step back and see where I'm at, what I'm doing. Putain, je m'en fous partout, c'est pas possible. Okay. So, yes, we're going to these greens here. Okay. Là et en bas aussi. Oh, je vais pouvoir m'asseoir. Chouette. Okay. Tac, tac. Tac, tac. Et donc, le bon pinceau. Celui-là, bien sûr. Ok. Ça. Voyons voir ça ensemble. Je me retire du truc. Oups, comment faire pour baisser ça? Voilà. Comme ça, je m'écarte pour pas que... ça souffle dans le micro, mais je vais quand même rester devant parce que ça fait du bien. Et voilà, c'est bien foncé, hein, ce verre. Putain. Waouh. Alors là, il me faut de l'eau. Voilà.
D'accord, très bien. J'en ai pas besoin vraiment de beaucoup. J'ai même changé de pinceau. Parce que celui-là, il est bien trop. Pas de contrôle avec. J'aime bien contrôler où je fous ma peinture. Vu que c'est des gestes. J'aime que ce soit des gestes gracieux, si possible. Donc, on va revenir en arrière. Je vais quand même aller là-bas, à l'autre table, chercher un bon pinceau. Voilà, celui-là, un peu plus fin. Je pense que je pourrais le contrôler mieux. Voilà, ça devrait être bon. On va retourner à l'autre caméra ici. Je vais pouvoir zoomer un petit peu et enregistrer. Voilà. Bien, il y aura là une peinture plus claire plus tard. Merci. Voilà. OK pour là-haut. On va venir là en bas maintenant. Zoom, zoom. Oh, je vais la décaler un petit peu. Zoom, zoom, zoom. Voilà. Je vais rajouter un petit peu de peinture claire. Car j'ai l'impression que j'en aurai pas assez. Parce que j'ai pas été de main morte. Hop, voilà, encore piocher au fond du pot en s'en foutant partout. Ok, hop. Un petit peu d'eau. Ok, that looks good. Allons-y. Hop, je recule quand même un peu. Hein. Je suis un peu trop avant. Et je filme un petit peu. Oh, j'ai zoomé encore un petit peu. Voilà. Ça c'est bien, un petit peu éclairci cette peinture. Donc, j'ai rajouté un tout petit peu plus de foncé. Pas beaucoup, mais... Voilà. Oui, c'est mieux ça. Bien sombre. De toute façon, comme je disais, il y aurait la peinture claire après. Alors.
bit of water here. There we go. Okay. Ah oui, je suis toujours en train d'enregistrer. Allez, je vais tirer cette bête-là, comme ça, je vais pas me lever. Hop. Et je la remets. Technique du paresseux. Quand même, obligé de décaler la chaise. Bon. Hop. Voilà. Et le dernier petit coup. Très bien. Ok, very good. Hop. So, on en est où là? On est là à ça. Donc, je suis en train de préparer la couleur vert clair, là, comme tout à l'heure, pour mettre une deuxième couche. Pour voir ce que ça va faire, parce que pour l'instant, à ma grande surprise, c'est pas du tout ce que je m'attendais, et pour l'instant, ça me plaît pas du tout, donc, où ça passe, où ça casse, quoi. Allez, je zoom in, là, pour qu'on découvre cette catastrophe, cette victoire ensemble, ok, voilà. Let's see what happens here now. Je sais pas. C'est un peu mieux, bien sûr. Mais de là à dire que je vais me laisser, I don't know.
I don't know, I don't know, I don't know, I don't know. Why? Alors, je cherche dans ma tête où est-ce que ça déconne? Pourquoi cette peinture verte n'est pas celle que j'ai d'habitude? Alors, est-ce que je me suis trompé en utilisant ce vert et que d'habitude j'utilise un autre? Mystère et boule de gomme. Donc, j'ai aucune idée, hein. J'ai aucune idée. This is not usually the green I have, and I can't figure out why it's not the green I usually have. Is it because I use the wrong green to mix with the yellow? Moi, je vais aller voir au fond. I'm going to look back here and see on my other greens. Did I screw up somewhere? Use the wrong green? Nope. No, I don't see anything back there. So. Donc je vais laisser ça comme ça. Je vais être obligé de, je vais le changer parce que j'aime pas du tout. Ce vert, c'est trop clair, c'est pas du tout, c'est pas assez suffisamment opaque. Ça me plaît pas du tout, du tout. Donc, je sais pas comment tout à fait, comment m'y prendre. On verra ça plus tard. Quelle heure là? 1h38 de stream. Écoutez, moi je vais continuer alors encore un peu d'or tout autour, puis après je vais arrêter. Pas que j'en ai vraiment envie, mais je trouve que ces streams qui durent des heures et des heures, peut-être c'est un peu trop long. J'ai aucune idée en fin de compte. Ah oui, donc j'ai encore de l'or qui me reste. Il suffit que je mette un petit peu d'eau, je suppose. Ouais. Pas beaucoup d'eau parce que l'appareil veut que ça soit bien opaque aussi. Donc. C'est suffisamment sec que je peux faire des petits points sans m'inquiéter à en foutre partout quoi. Et je vais zoomer un petit peu et on va attaquer. Alors je vais attaquer comme ça d'abord. Pas trop mon cercle. Hein.
Voilà. Ah putain, qu'est-ce que j'ai foutu encore? J'ai foutu ma main pour faire ça, je sais pas. Enfin bon. Vous voyez pas, mais j'ai foutu encore un peu d'or, un peu pas. C'est pas bien grave, mais enfin bon. J'aime pas revenir. Et réparer les dégâts, je préfère franchement tout réussir du premier coup si possible. Toujours ça m'énerve un petit peu. J'aurais voulu faire le max aujourd'hui parce que demain, malheureusement, je ne peux pas venir. Donc, là, c'est tous les bonheurs qui s'appellent voir l'assistante sociale. J'ai d'autres petites courses à faire demain aussi. Donc, oula, je mets un peu trop là. Voilà, là, faut pas bâcler le travail là. Il reste toute ma peinture à durcir. Hein. On va le retravailler un petit peu. Voilà, un peu. Bon, voilà. Très bien, très bien. Bon, 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 bon. Prendre du recul un petit peu.
comme ça. Comment ça donne sur l'autre caméra? Ouais, quand ça chope la lumière du soleil, franchement, c'est joli, c'est très beau. Bon. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là hein, pour aujourd'hui. On reprendra mercredi. So I think we're going to end our stream right there today. Tomorrow I won't be in the studio. Very nice. Alors moi, je suis pas rentré à la maison avec ça sur le pif. Bon. So, as I was saying, I won't be in tomorrow. I'll be back Wednesday. So join me if you can at 9 a.m. Eastern time. And we'll continue on this guy. I'll try to figure out what's the matter with that light green that I don't like at all. That's troubling me, but I'm sure I'll figure it out. If not, we'll just go over it with a different green that I like. So, no big deal. Et pareil, ben, écoutez, demain, je vous rappelle encore une fois que je ne fais pas de stream. On se rejoint mercredi à 15h. En attendant, donc je vous laisse quand même avec mon emploi du temps. Sympa. On voit que je suis fatigué là, non? Bon, enfin bref, je vous laisse avec mon emploi du temps et je vous dis à mercredi. Ciao mes amis.